Ce vrai de victoire depuis 2 ans, la dernière c'était ici même sur le haut plateau. Thomas Bjorn s'est rappelé au bon souvenir de tous les amateurs de golf en s'imposant sur les greens de Grand Montana. Le vétéran scandinave savoure un succès acquis de haute lutte. C'est toujours génial de gagner un tournoi du Tour européen, car tu travailles beaucoup et tu t'investis énormément. Grand Montana, c'est spécial pour moi. J'ai toujours très bien joué ici et aujourd'hui, c'est un grand jour. Un putt sur l'ultime trou manqué d'un rien par l'Écossais Greg Lear et voilà 2 joueurs en lice pour disputer des prolongations. À ce jeu, le désormais double vainqueur de l'Open a été seigneurial. Quand tu rentres en play-off, tu n'as pas grand-chose à perdre, tu te jettes dedans et tu donnes tout ce que tu as. Si tu penses à la défaite, tu n'as aucune chance de gagner. Triomphe en poche, nanti d'un chèque de plus de 400 000 francs, le Danois ne pense pas encore à la retraite. Pour le futur, il veut simplement mettre toutes les chances de son côté. Ces prochaines semaines, je ne vais pas disputer de tournoi. Je vais me contenter de m'entraîner. Cette victoire m'encourage et je veux être en forme pour mon retour à la compétition. J'ai 42 ans et on croit que c'est facile avec l'expérience, mais non. C'est pour cette raison que je suis très fier de mon succès ici. Thomas Bjorn a déjà promis qu'il sera au rendez-vous l'an prochain. Le Danois peut envisager rejoindre au palmarès les 5 golfeurs victorieux à 3 reprises à Grand Montana.